Bon, ça fait un mois présentement qu'on a pris la deuxième pesée. On a eu des résultats qui n'étaient pas comme on s'attendait. Fait que là, on a fait des ajustements, surtout alimentaires. Elle avait peut-être des préjugés au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle mangeait pas assez parce qu'elle, elle disait « plus que je mange, moins je vais perdre du poids ». Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aller voir une nutritionniste que je connais pour qu'elle valide avec elle ses apports nutritionnels. Deux semaines plus tard, on a refait une pesée. Ça a tout changé. On a reperdu un autre 4 livres. Fait que vraiment, là, très content. C'est sûr que dans une perte de poids, il y a tout le temps des ajustements à faire. C'est ça qui fait qu'on réussit. On veut beaucoup, on travaille fort, fait qu'on veut des résultats. Fait que là, la dernière pesée, j'avais augmenté et non diminué sa balance, ce que je trouvais impensable avec tout ce que je faisais. Il m'a recommandé d'aller voir une nutritionniste, c'est ce que j'ai fait pour se rendre compte que je mangeais pas assez et que je brûlais beaucoup d'énergie. Mais il fallait que je l'alimente, tout ça. Fait que bref, tu t'entraînes full puis tu manges moins, fait que ça marche pas. Puis depuis ce temps-là, ben, le déclic s'est fait. La rencontre a été bénéfique, du moins. Pour se rendre compte que je pouvais manger plus. Ben, quand tu investis dans quelque chose, ça s'investit à fond. Si elle embarque de quoi, elle ne fait pas à moitié. Puis ce que je souhaite, c'est qu'elle retrouve, qu'elle puisse retrouver une santé. Ce qui est très bien pour elle, c'est le gym factor. Ce défi-là, c'est tout le temps pour elle. Ce qu'elle faisait pas vraiment avant. Ça, c'est important pour elle. Non, je sais pas, je suis peut-être capable. Puis je suis là, pas tout seul à être là non plus, mais je suis là en premier. On va s'inscrire aussi, on s'inscrira à des courses, puis on le fera, on va mener le demi-marathon. Moi, je t'attends.